Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Émission d'avant-match avec Mohamed Toubachter. Comment il va? Comment tu vas, mon ami? Bonsoir à tous, bonsoir Julien. Très bien, et toi? Eh bien, écoute, ça va. Lyon gagne. Et quand Lyon gagne, un gone va toujours. Comment va le chat? Mettez-moi les pouces et abonnez-vous, c'est important. Mohamed Toubachter, personnalité du football, les gars. Je vous le dis tout de suite. Tu es modeste, mais moi, je te le dis. Quand même. Tiens, d'ailleurs, tu fais quoi en ce moment? On peut le dire ou pas? Parce que la dernière fois que je t'ai eu, il fallait pas trop le dire. Tu fais quoi en ce moment? Non, moi, comme j'ai perdu mon papa, ça a retardé. Donc, j'ai un projet là de reprise dans un club pro. Donc, ça a retardé avec le décès de mon papa. Et là, normalement, on devrait faire l'annonce d'ici peu. Eh bien, écoute, tu nous diras ça. Je le repartagerai. Voilà, bon, il vient représenter Montpellier, les gars. C'est ça qu'on a mis un petit peu les couleurs de Montpellier. Montpellier qui reste sur une défaite douloureuse. On va en parler, on va parler de cet avant-match. Bon, comment ça va du côté de Montpellier? La défaite difficile quand même là. Là, c'est la petite claque dans la gueule qui fait mal, celle-là. C'est compliqué. On vient de perdre la 4-1 face à l'OGC Nice en coupe. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un club qui est en crise. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense que l'alerte est orange. Apparemment, le coach d'Hervac dit que c'est rouge. Mais en tous les cas, oui, c'est assez compliqué. C'est même très, très compliqué. Et quand tu n'as pas de confiance, ben c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis tu prends un Lyon qui est, lui, en pleine confiance. On va en parler. On va démarrer. Tu vas nous donner après ton prono, tes points forts, tes points faibles. On démarre. C'est parti, messieurs. Alors, Montpellier, ça sera Montpellier-Lyon. À Montpellier, Gayouste qui va nous arbitrer. Je suis encore malade, excusez-moi. 3 matchs depuis 2021, 2 victoires pour Lyon, 1 nul, 0 défaite. Et cette année, il nous avait arbitré sur la victoire 3-0 face à Toulouse. Qu'est-ce que tu penses de... C'est à dimanche à 17h le match. Qu'est-ce que tu penses de cet arbitre où tu n'en as rien à foutre? Ah, c'est pas que j'en ai pas rien à foutre, c'est que je trouve que c'est un arbitre qui est plus que moyen. Ah ouais. Et qui, dans l'échange avec les joueurs, assez consternant et agressif. Donc, pour moi, c'est pas un arbitre extraordinaire. Bah, après, on fera avec. Hein. Écoute, ouais, voilà, c'est pas l'info de la soirée. Hein. Non. Oui. La forme du moment, en comptant la Coupe de France, c'est que vous restez sur 2 défaites et 1 nul. Et nous, on reste sur 2 victoires et 1 défaite. Voilà, donc la forme est plutôt côté lyonnais, hein, comme on peut le voir d'ailleurs à l'image, à l'antenne. Montpellier un peu plus dans le dur. Montpellier qui est 13e. Lyon qui est 15e avec égalité de points. Le gagnant, du coup, va faire un bon et va se donner un bol d'air. Du moins un bol d'air par rapport à l'autre. Lyon-Montpellier, c'est 31 matchs depuis 2009. Montpellier, grosse équipe de Ligue 1, hein, on ne va pas se mentir. 8 victoires côté Montpellier, 5 nuls et 18 victoires côté Lyon. On voit qu'on est quand même plus à l'aise que vous, mais vous nous avez mis une trempe au match, allez, 4-1. Je l'ai encore là. Mmh. Victoire, on aurait dit le Real Madrid en face. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de Lyon? Tu sais, tu as cette petite réputation... comme certains disent, et l'autre fois, tu t'étais fâché, tu as dit, oh non, arrêtez, c'est pas vrai et tout. Tu sais, que tu taquines un peu Lyon. Non, pas du tout. Non. Regarde, la preuve. La preuve, tu viens sur ma chaîne. Et puis regarde, moi, je félicite le travail de Frio. Je vois la réaction de l'UNFP, du président âgé de 81 ans, Philippe Piat, qui s'émeut de voir Lyon changer d'équipe grâce à ce mercato hivernal. Ben voilà, moi ça me dérange des propos pareils. Il y a des règles, il y a un mercato hivernal qui est fait. Lyon a la possibilité de modifier son équipe, d'y apporter aussi, de réajuster. Et voilà, et puis ils sont sur une bonne dynamique. Il y a juste une chose que tu as oubliée, même si on a égalité de points, il y a quelque chose quand même très important, c'est que vous êtes avec moins 13 en différence de but quand on est à moins 5. Et quand tu regardes les équipes qui aujourd'hui luttent pour le maintien de la 12e place à la 18, Montpellier est l'équipe qui a la différence de but négative
la moins en difficulté. C'est-à-dire on est à moins 5 quand d'autres sont à moins 7, moins 13, moins 14. Et j'oublie Clermont et Lorient. Donc je pense que ça a son importance. Mais pour revenir à ta question, moi, ça ne me gêne pas. Il y a un mercato. Lyon a réajusté. Moi, si j'émets une critique, c'est que je trouve que défensivement, il manque un taulier à cette équipe-là. Et je pense qu'ils auraient dû prendre un défenseur central de renom ou pas, mais en tous les cas de qualité. Tu penses que c'est faible défensivement, Lyon, derrière ? Disons que c'est moyen. Pour moi, hein, après, moi, je suis ouvert au... Quoi, c'est Caleta-Car qui te gêne, toi ? Oui. Ou O'Brien ? Ouais, oui. Ah non, moi, j'adore O'Brien. C'est Caleta-Car qui me... Oui, bien sûr, qui me dérange. Il est très bon dans une défense à 3 et beaucoup moins bon dans une défense à 2 Caleta-Car. En revanche, il a été intraitable depuis le début de saison sur pas mal de domaines. Moi, je trouve que c'est une défense correcte qui n'est pas super bonne. Moi, je pense que le problème de Lyon, et c'est terrible, j'ai pas envie de me fâcher avec personne. Le problème de la défense de Lyon se retrouve dans les buts, en fait. On a un gardien cette année qui est pas du tout. Mais ça, c'est mon avis personnel. Après, peut-être qu'il y a eu des erreurs défensives, c'est vrai. Mais pas tant que ça d'O'Brien, pas tant que ça de Caleta-Car, je trouve. Même s'il est un peu moins bien, je te rejoins sur ça, Caleta-Car en ce moment. C'est le gardien par contre qui te coûte très très cher depuis le début de saison, avec les plus mauvaises notes pour moi, enfin des plus mauvaises notes sur l'équipe, les plus mauvaises notes sur SofaScore, les plus mauvaises notes dans les stats, et ça se voit aussi sur le terrain. Donc moi je juge comme ça. Après voilà, on continue rapidement et j'ai des petites infos, regarde, boum bam. À savoir, alors, le groupe est au complet, hormis Enrique. Est-ce que ça t'affole, ou il y a eu une petite gêne aujourd'hui? O'Brien à l'entraînement était un petit peu gêné. Tu comptais pas dessus de toute façon. Tu comptais pas. Non, mais moi, Julien, rien ne m'affole du côté de l'Olympique Lyonnais. Enfin, c'est un groupe professionnel. Ils ont des jambes, des mains. Ils sont comme la seule différence qu'il y a entre les deux équipes aujourd'hui, c'est que tu as un groupe lyonnais qui est en confiance, quant à un groupe montpellierain qui est en recherche de confiance. Donc c'est la seule différence qu'il y a sur ce match-là. Mais sinon, je veux dire, quand tu regardes le match face à l'Olympique de Marseille où tout le monde s'est excité, moi j'ai trouvé une équipe lyonnaise moyenne face à une équipe marseillaise très 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 médiocre. Ça, c'est vrai. Donc voilà, en revanche, j'ai pas vu, c'est pour ça que moi je parle pas de ce que je n'ai pas vu, on en a parlé en avant que tu lances ton live en off. Je ne prononcerai pas sur le match de coupe, je vais pas me prononcer sur un match que j'ai pas vu. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait, j'ai lu les déclarations du coach lillois et ceux du coach lyonnais. Je ne sais pas ce que vous avez fait, voilà, j'en ai même pas parlé, donc je ne sais pas. J'ai trouvé Da Fonseca un petit peu culotté. En toute franchise, on va oublier que je suis supporter de Lyon. Ils ont eu quelques actions. On a eu quand même des actions beaucoup plus chaudes à un grand Lucas Chevalier. Parce que nous, eux, ils ont eu des actions, c'est vrai. Mais Lucas Chevalier, il a sorti une masterclass. Hein. C'est des arrêts décisifs en un contre un. Comme chez nous, il y a deux semaines à la Mosson. Kiff, kiff. Donc, il me fait bien rire, le père Fonseca. Et au passage, on les a quand même sacrément bouffés dans l'intensité et dans l'agressivité. Donc ça pardonne pas dans le football si t'es pas agressif. Voilà. J'ai jamais dit que le problème numéro 1 de l'OL était Lopez. J'ai dit que le problème défensif pour moi était Lopez. Et il y en a, ils sortent des erreurs d'autres joueurs. Oui, mais heureusement qu'il y a quand même des petites erreurs d'O'Brien de temps en temps et des petites erreurs aussi de Tagliafico, d'un tel et un tel. Mais si vous prenez un global, regardez le nombre d'erreurs qu'a fait Lopez cette année, vous verrez que c'est pas une ou deux, hein, c'est pas deux ou trois matchs. Hein. Face au Havre, le rouge, oui. Face au Havre, il prend deux buts quand même. Lopez, c'est assez comique. Mais bon, après, voilà, c'est mon avis. Hein. Je continue. Saïd Benrahma pourrait faire ses débuts. Saïd Benrahma, tu connais un peu le joueur ? Personnellement, non, mais le footballeur, oui, je connais. J'ai plutôt été touché par la vidéo de présentation que j'ai trouvé touchante. Je trouve que le board lyonnais s'est démêlé sur ce dossier et n'a pas lâché le joueur. Donc je trouve que c'est une marque importante et que c'est un joueur qui va apporter beaucoup au groupe lyonnais. Moi, bon, la seule chose qui me pose question, mais on me dira que dans les grands clubs, c'est pas un grand problème, c'est l'addition des individualités. Comment ça va matcher, et là-dessus, il y a peut-être un point d'interrogation. Après, c'est en tous les cas un joueur qui va apporter un plus à l'Olympique Lyonnais sur cette palette offensive, qui a une polyvalence aussi.
qui est technique, qui est rapide aussi. Donc c'est un bon, enfin c'est une belle, un bon petit coup de Lyon d'avoir attiré ce genre de joueur, en plus international, et qui a beaucoup manqué à la sélection algérienne quand on sait pourquoi il n'a pas été sélectionné là-bas. Ouais, après voilà, je pense que c'est à lui de s'adapter à Lyon et pas à Lyon de s'adapter à lui, Je suis parfaitement. parce que Orban, attention, il fait pas rigoler, hein, il est titulaire en ce moment et il est bon, hein, donc il vaut mieux que Benrahma soit bon parce que ça va être difficile d'aller décrocher sa place de titulaire, surtout quand on voit aussi le petit Malik Fofana qui est assez impressionnant, hein, qui a été encore sorti un très très gros match face à Lille, hein. Il a fait très très mal, hein. Donc là, il a quand même il y a une concurrence à Lyon. Alors on dit la concurrence saine, ben, là, ça va être dur à mettre en place. Je le dis. Ouais, Après, c'est les dis-moi. grands clubs. Hein. Ouais, c'est les grands clubs. Ouais. Moi, je pars du principe que même si vous êtes 15e, l'Olympique Lyonnais est un grand club. Hein. Donc, pour moi, c'est une évidence. Donc, dans un grand club, la concurrence, elle est là et ça doit le faire. Et tout le monde doit avoir le même but, c'est-à-dire la victoire et retrouver sa place d'antan. Parce qu'aujourd'hui, la place de l'Olympique Lyonnais, c'est pas d'être à la 15e place, premier non relégable. On est totalement d'accord. Stats similaires pour les deux équipes avec des expected goals, des XG, donc comme il met 25,3 et tir cadré 97, 880, 864, 800, 8647 passes pour l'OL, 7e, 6438 passes pour Montpellier, 17e. Les deux équipes partagent le même nombre de points et de buts. Montpellier n'a plus gagné à domicile depuis le 29-10. 2023, 7 matchs, toutes compétitions confondues. C'est énorme ça comme stat. Oui, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est en manque de confiance, comme je te l'ai dit. Et ce fameux match de Clermont a aussi, quoi qu'on en dise, cassé une dynamique avec l'histoire du pétard. Donc voilà, merci Lucas. Donc voilà, donc c'est compliqué. Après, il y a la qualité, il y a le fait aussi qu'il y a eu des blessés, il y a le fait aussi qu'on a perdu des joueurs là, pour la CAN et pour la Coupe Davis avec Moussa Tamari qui manquera cruellement pour dimanche. Hein. Donc voilà, et puis tu as aussi des individualités qui ne sont pas au rendez-vous, des mauvaises prestations, et puis quand tu regardes un peu, le contenu des matchs, il y avait de bons matchs, et puis tu en avais de moins bons. Et je te le dis, je ne vais pas te l'apprendre à toi, quand tu n'as pas de confiance dans un sport co et dans un sport tout simplement, eh ben, vulgairement parlant, tu es dans le pétrin, tu es dans la merde. T'es dans la merde, ouais, c'est un peu ça. Et ouais, là, quand tu perds la confiance, et le plus dur, c'est de la perdre, mais surtout de la retrouver. Alors ça, par contre, quand Oui, après tu fais des. Il y a des leviers. Alors, je ne sais pas si là tu veux qu'on parle de Montpellier. Là, il s'est passé. Moi, je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux. Il s'est passé. Je peux le dire chez toi. Il y a eu le match de Nice mercredi. Oui, mercredi. Donc, ils ont fait des briefs jeudi avec le staff à la salle de réunion, etc., avec les joueurs. Et ça a été un débrief plutôt tendu. Où l'entraîneur s'est adressé à son groupe en pointant du doigt le fait que tu as des joueurs tu as des joueurs qui l'ont en trop, tout simplement. Parce qu'à Montpellier, tu as la spécificité que moi je trouve hallucinante, c'est que tu as la pesée tous les jours. Tous les jours. C'est un staff qui est. Et Dieu seul sait, tu vois, moi je suis un fan de Michel de Derbecque. Et comme quoi, je suis très objectif quand il y a des choses moi, que je trouve déplaisantes, je le dis. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ce genre de fonctionnement-là. Mais à Montpellier, tu as la pesée tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés de chez eux à minuit et demi, après le match de Nice. Le club leur a donné à manger là, dans le vestiaire. Ils rentrent chez eux. Et le lendemain, tu as la pesée. Donc, tu vois un peu la mascarade du truc. Donc, pour revenir, ils ont fait le débrief. Ça s'est plutôt mal passé. Ils se sont dit les quatre vérités. Le coach a reproché le manque de sérieux de certains joueurs sur le trop-plein de poids. Des mecs qui n'étaient pas au poids défini.
Il a reproché sur le premier but à Wahbi Kadri, à TJ Savanier de ne pas avoir défendu. Il a reproché à des joueurs d'avoir abandonné. Ce à quoi TJ Savanier s'est levé et a pris la parole en s'adressant au coach et en lui disant « Coach, ici, personne n'abandonne ». Ce qui a soulagé et rassuré le coach. Mais au moins, il y a eu un discours qui a été… il y a eu un échange qui a été direct et vrai. Et puis, il a été prévu aujourd'hui, je l'avais annoncé hier, la prise de parole de Michel Mehdi, le conseiller du président, qui a été un discours fort ce matin, en leur disant que le groupe et que le club étaient en danger, qu'il fallait rectifier le tir, et que Montpellier, il y a une histoire, et que cette histoire-là, il fallait la respecter, que tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien. Et puis, les joueurs ont été touchés par ce discours-là du conseiller du président. Il y a eu des petits mots du coach. Et puis après, ils ont fait leur séance, tout simplement. Mais tu sens qu'il y a beaucoup de tensions. C'est un staff qui est très tendu. Les joueurs le ressentent comme ça depuis quelques semaines. Et il ne faut pas que cette tension se transforme en onde négative, parce que dans ces cas-là, ça peut se terminer très, très, très mal. Moi, personnellement, si tu me donnes mon sentiment, je suis convaincu, comme j'étais convaincu que le titre se jouerait entre Rennes et Lyon, et entre Rennes et Marseille, et que je me suis totalement trompé. Mais là-dessus, plus sérieusement, je suis convaincu qu'on ne descendra pas en Ligue 2. Je suis convaincu qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus faibles que celles de Montpellier. Et je suis convaincu que tu as des joueurs de meilleure qualité à Montpellier, sans manquer de respect aux joueurs de Lorient, aux joueurs de Clermont, de Metz et d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que le match face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche est d'une très très grande importance, et ça sera un match très tendu et très nerveux. Ouais, ça va être un match un peu le match, tu sais, de, bah, je dirais pas de la dernière chance, mais là tu rentres dans une vraie crise si tu gagnes pas à Lyon. J'en ai discuté avec certains de l'équipe aujourd'hui. Alors moi le terme de Michel Mehdi en disant que le club est en grand danger, moi personnellement, je trouve ça trop excessif. Mais soit, tu as des joueurs qui sont d'accord avec ce terme-là et qui, eux, estiment que le club est en grand danger. Et c'est pour ça que certains m'ont confié, Momo, si on prend un point face à l'Olympique Lyonnais, c'est bien. C'est bien, parce qu'après, on enchaîne face à Metz et puis après, on va à Marseille. Mais il ne faut surtout pas perdre face à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, donc après on en parlera sur la manière dont aussi bien je pourrais rien te dire de plus, parce que tout simplement ils ne le savent pas, et qu'aujourd'hui, pour l'instant, on est toujours dans le repos depuis le match de coupe. Hier, ils ont fait une séance très légère, et aujourd'hui, ils ont fait une séance très très légère, et c'est demain qu'ils vont faire l'opposition. Et il y a toujours un doute sur le fait s'il va rester à 4 ou revenir à son système à 3 derrière. Et s'il revient à son système à 3, Christopher Julien devrait normalement sauter pour que Kiki Kouyaté prenne sa place. Donc voilà. Mais pour moi, le match de Lyon est important parce que l'environnement autour du club est compliqué, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'il ne faut pas négliger, mais aussi autour de Gramont, etc. Et puis la presse, etc. Tu l'as vu aujourd'hui, si tu lis l'équipe, le papier sur le SMS. Donc voilà, donc c'est pour ça que le match face à l'Olympique Lyonnais est d'une grande importance. Et la spécificité de tout ça, c'est que les deux clubs sont quoi qu'on en dise, malgré la dynamique lyonnaise, eh ben Lyon est toujours aussi mal embarqué. On part de très loin. Donc là, on est sur... en plus, je ne connais pas ton calendrier, tu me le diras, je ne sais pas qui vous allez jouer après nous. Nice derrière. Donc tu vois, mais ça va être un match sympa, hein. Franchement, ça va être un match très très tendu, mais sympa, parce que je pense qu'on va voir du football. Oui, je pense que ça va jouer, je pense que vous n'allez pas lâcher, vous allez amener de l'agressivité et de l'impact. Oui. Tu as pu me le dire en off. Non, bien sûr, je pense que ça va gagner. Je suis intimement convaincu. Accor Adams, de par sa performance et ses qualités devant le but, est le joueur à surveiller 7 buts. TJ Savanier est en priorité le joueur le plus dangereux à hauteur de 4 buts, 4 passes D. Et puis TJ Savanier qui aime nous foutre une tartine sur le fion chaque fois qu'on les joue. Bah, c'est bon quoi. C'est les deux joueurs à surveiller pour moi. Enfin, du moins, surtout TJ Savanier, parce qu'à chaque fois qu'on le joue, lui, j'ai l'impression qu'il se dit tiens, et si je mettais une claque sur le cul du côté de Lyon. C'est insupportable. Il est très motivé. Ah, ouais.
Il est, Ah bah motivé, oui. il est à la fois motivé, il est très énervé aussi par la situation sportive, très énervé aussi du manque d'investissement du club et du manque d'ambition du club. Donc je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a des choses qui s'additionnent, ça commence sérieusement à le gonfler. Mais contre Lyon, il est très très motivé. Mais Oh oui, il est toujours surtout, motivé. il est toujours motivé. Accor Adam, ça va être autre chose parce qu'il devrait normalement être opérationnel. Il fera un test demain parce qu'il a des douleurs lombaires. Au dos, et il sera pas à 100, 100%, donc voilà. Mais après, ça reste toujours hein, comme c'est voilà. Il pèse sur la défense, ça reste aussi un joueur dangereux. Mais je pense que la clé de ce match-là se situe au milieu de terrain. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il faut pas D'accord. le midi à 14h. Ça va être milieu de terrain. Si on se fait, et j'avais pas vu la conf, c'est toi qui m'en as donné des bribes. D'infos, de déclats de votre coach Pierre Sage, qui d'ailleurs a donné une très très belle leçon à un consultant de. Un Jérôme consultant. Rotten. Je ne connais pas ce consultant-là, mais j'appelle le consultant. Mais ça doit être ça, oui, peut-être, peut-être. Mais je ne sais pas si. J'ai toujours du mal avec ces anciens joueurs professionnels qui se C'est permettent une de honte jouer ce qu'il a et dit, de c'est un courir. connard. Voilà, Mais moi je le dis, je m'en pas, fous. moi, je ne me permettrai pas Toi, d'insulter. Moi, c'est ouais, quelqu'un moi je me qui. permets parce que lui il a insulté et Ah, il il a insulte? traité. Mais Oui. ouais, lui il insulte. Donc vu que lui, il est, C'est je vrai. parle très rarement des autres. C'est vrai. Des autres clubs, des autres. Je parle très rarement en mal des autres. Par contre, lui, il chie à la gueule de notre coach qui, quand même, fait 11 victoires, 11 matchs, 7 victoires. C'est pas arrivé depuis 2007. Un coach qui arrive à faire ça, il est d'une gentillesse absolue. Et je peux te le dire parce que je lui parle, à Pierre. C'est une honte de parler comme ça d'un coach, surtout un coach qui gagne. Et au lieu de s'excuser et de faire messe basse, parce que même moi, je me suis trompé sur la compo, c'est-à-dire je ne pensais pas qu'on allait arriver à faire quelque chose avec la compo, donc faire messe basse et faire un peu amende honorable, il continue d'être prétentieux parce qu'il a joué au foot. Mais tu es un homme comme tout le monde, mon Jérôme. Tu es surtout un gros con qui ne se remet pas en cause, parce que tu sais cette fameuse phrase, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bah lui, ça doit être un très gros con alors, parce qu'il ne change jamais d'avis, et en Mais je plus te de mal rassure, parler aux gens. tu as beaucoup de ses collègues, moi avec qui parfois je discute, qui sont très gênés par ces prises de déclaration. Très, très gênés. Bah, tu Alors, m'étonnes. il a fait son cirque sur le dossier Mamad Sakho à Montpellier, où il a eu tout faux, quoi qu'on en dise. Puis là, j'ai vu ses déclarations avant le match de coupe, où il se permet de donner des leçons Et puis les intonations, à comment il Pierre parle, l'intonation. Sage. Et puis moi, je n'oublie pas le délit de sale gueule dont a été victime Fabio Grosso. Et il en est et tout ce qui est remonté là, ce consultant-là, dont je me suis toujours permis de jamais donner son nom, il y est pour quelque chose. Voilà. Oui, non, non, mais je trouve que tu critiques, que tu émettes une critique, que tu. Très bien. Bon, une fois que ta critique, tu passes pour un idiot. Parce que même moi, le premier, j'ai critiqué la compo, je ne pensais pas. Et pourtant, j'aime beaucoup Pierre Sage. Bah, après le match, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bravo, mon gars. Bravo, amen. Tu as été monstrueux contre Lille, je ne pensais pas. Voilà, c'est tout. Et puis, des critiques gratuites comme il fait, là, c'est gratuit, c'est pour faire mal. Et ça n'a ni queue ni tête, et c'est surtout l'intonation absolument minable qu'il a mis en hurlant comme ça, sans raison. Mais tu peux Franchement, avoir des désaccords sur une compo, des idées oui. différentes, etc. Mais si t'amènes cela de manière très respectueusement, hein, tout simplement, bah ça passe. Sauf que là, ça donne des leçons. C'est un scandale. Tu es une honte. On fait pas ça. On manque pas de respect à la Coupe de France. Non mais attends. Je vais te donner une information. Tu as vu qu'Enzo Lefebvre s'est blessé en coupe. Oui, c'est Enzo Lefebvre s'est blessé gravement. Il en a pour 6 semaines. Voilà. T'as des gens sur Twitter qui ont trouvé anormal que Stéphane ne fasse pas tourner, etc. etc. Bah, au bout d'un moment, tu vois, ça explique des choses pourquoi il faut faire tourner, etc. Parce que, tu vois, Stéphane, peut-être qu'il aurait dû donner du temps de repos, surtout qu'ils ont fêté l'anniversaire le samedi soir d'Enzo Lefebvre. Peut-être qu'il fallait peut-être aussi le mettre sur le banc. Mais je veux dire, c'est consultant. Mais il n'y a pas que ce consultant-là. Moi, je trouve que chez les joueurs, les anciens joueurs professionnels sont très rares. D'avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Ils sont tous dans le clash, dans le buzz à outrance, dans je donne Bah, des leçons Dugarry parce faisait ça aussi. que. Qui Dugarry donc? aussi. Oui, Christophe mais Dugarry. tu vois, Dugarry, c'est un vrai amoureux du ballon. Tu vois. Alors, on peut être en désaccord, mais un vrai amoureux du ballon, et lui, quand il se trompe, il le reconnaît toujours.
mais l'autre, moi, sa déclaration, franchement, hein, ce qu'il a sorti sur Fabio Grosso, c'est impardonnable. Et ce qu'il sort sur Pierre Sage, c'est impardonnable. Donc, au bout d'un moment, Et puis, moi, j'ai pas aimé sa déclaration sur Pierre Sage, la première. Mais alors, j'ai encore moins aimé quand on lui a dit alors, et que là, il a remis une couche. Genre, mais tu crois que je vais m'excuser en plus, il lui dit. Tu te rends compte? Non, le lendemain, il a remis une couche, tu vois. Genre, mais vous croyez que je vais revenir sur mes paroles? Vous croyez que je vais m'excuser? Bah, mais mon pote, là, tu vois, c'est pire. Parce qu'à la limite, j'aurais pu pardonner s'il s'excuse, tu vois. Non. Donc, en fait, c'est vraiment une grosse... Mais tu sais, il avait fait la même chose avec un ami, je sais qu'il n'est pas très apprécié à Lyon, qui est un ami à moi, qui est Matteo Guendouzi, il l'avait démonté. Et je peux te dire, le pressing qu'il a fait pour l'avoir dans son émission... Tu sais, il y a ce que tu es en public et ce que tu es en off. Mets-toi toujours ça en tête, Julien. Ah ouais, pourquoi tu veux dire qu'en gros, c'est le même? Ah bah, il avait démonté Matteo via son émission, etc. Oui, et oui. Il avait, en off, il était beaucoup plus gentil parce qu'il avait besoin d'avoir Matteo Guendouzi dans son émission. Ah, et finalement, ouais, Matteo avait décidé de la faire, tatati, tatata. Et voilà. Donc, mais tu sais, il y a beaucoup de coachs qui en ont ras-le-bol. Hein, Michel Dazakar en a ras-le-bol de ces gens qui se permettent de. Les entraîneurs sont sujets à la critique, ils l'acceptent. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle soit faite de manière très respectueuse. Et t'en as certains pour faire du buzz, parce que je pense aussi que sa monnaie d'échange, c'est quand même le buzz, et qu'il faut faire du clic et du buzz à outrance. Je pense, et tu le regardes sur Mbappé, c'est incroyable. Alors moi, je sais qu'à Lyon, apparemment, il y avait quelqu'un qui était payé par Olas pour faire des tweets. Moi, je me demande si Mbappé, voilà, il se pose des questions, parce que sur certains sujets, comme moi, par exemple, apparemment, je suis payé par la famille Pinot. Mais bon, ça, c'est trêve de plaisanterie. Sur l'affaire Matic. Alors, ça, c'est les dernières compositions qu'il y a eu en championnat. Je pense pas qu'on va jouer comme ça. Je pense qu'il va jouer en 4-3-3 parce que du coup, il a joué en 4-3-3 au dernier match et que je pense que vous allez jouer plus bas. Alors, Aurel me met 4-4-2 comme lors du dernier match en Coupe de France ou à 5 derrière à l'OL. Alors, c'était un 4-3-3, mon Aurel. J'ai comme l'impression que les Montpelliérains vont évoluer en 5-3-2. Je ne suis pas là-bas pour le deviner, mais Accor Adams devrait faire son retour en pointe d'attaque. Montpellier joue le maintien, point d'interrogation. Oui, après un début de saison plus ou moins correct, l'équipe va mal ces derniers temps, mais ne peine pas à se procurer des occasions tout de même. En revanche, le manque de réalisme devant le but plonge le club dans le doute et le déni. La défense est parfois affaiblie et complètement à la rue. Alors, que faire? La dernière prestation contre Lille à domicile était plutôt intéressante statistiquement parlant, mais Montpellier ne rapporte pas de points. L'équipe attend que le vent tourne. TJ Savanier est le plus dangereux sur le terrain car il possède des qualités autant défensives, joueur important qui gagne énormément de duels, mais également offensif, deuxième meilleur buteur de l'équipe et meilleur passeur du club. En conclusion, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais ça ne tient qu'à un fil. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Non. Non, enfin, il y a des choses où je suis d'accord, il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Quand il dit qu'on est dans le que le club est dans le déni, non. Quand il dit que l'équipe peine à se procurer des occasions, je respecte, attention, hein, non, parce que les occasions... Non, le problème, c'est qu'on ne les met pas. On a les occasions, mais on ne les met pas. Il y a un manque de réalisme offensif. Donc, voilà. Et sinon, que l'équipe joue le maintien, ben c'est indéniable. Hein. L'équipe joue le maintien. Mais moi, je voudrais juste alerter sur une chose, où il a raison, c'est que défensivement, c'est compliqué. Voilà. Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que tu as aussi un déficit sur le milieu de terrain, où les milieux de terrain viennent récupérer le ballon beaucoup trop bas, et ça te déséquilibre un peu ta base défensive. Et c'est pour ça qu'il a fait descendre TJ bien plus bas, entouré de Jory Chotard, ce qui fait que l'ancien Gaune, Jordan Ferry, en paye les pots cassés, puisque sur un système à 3, même si ça peut changer pour ce dimanche, Jordan pourrait être sur le banc, enfin il est sur le banc sur les derniers matchs, donc c'est compliqué. Mais oui, bah après, je suis d'accord avec. C'est gentil, Anne. Je suis d'accord avec. Sur le fond, enfin, en général. Mais de dire qu'on n'a pas que offensivement, non, on a les occasions, sauf que c'est le réalisme
Et puis attends, contrairement à l'Olympique Lyonnais, même si on n'a pas la manne financière de l'Olympique Lyonnais, il y a des joueurs aujourd'hui que moi je qualifie de bons joueurs de football, mais qui sont dans le dur, soit parce qu'ils reviennent, il y a un manque de rythme comme Tanguy Koulibaly qui n'avait pas joué depuis mai 2023 et qui était sans club. Et puis t'as Caramo aussi qui a un manque de rythme et qu'il faut s'adapter à l'équipe. Donc voilà, et puis surtout, tu as la blessure d'un Honorin qui sera de retour face à Lyon, qui te pèse. Hein. Voilà, c'est Arnaud Nordin, sur le côté droit, ça t'amène du danger offensif sur son couloir. Donc c'est compliqué. Puis l'absence d'Adam, c'est l'absence de Tamari, pèse aussi. Donc, et puis tu as des joueurs aussi qui rentrent, qui ne donnent pas ce qu'il faut donner, ce qu'il faudrait donner. D'accord. On Et va c'est pour ça que passer. cet été va être un tournant après le maintien, parce qu'il y a une restructuration de l'équipe. Qu'il va falloir penser parce que tu as des joueurs qui sont tant sur le plan défensif qu'au milieu qu'en attaque, il va falloir se réinventer avec de nouvelles idées. Bah, de toute façon, hein, ça sert à ça. Une nouvelle saison, c'est des nouvelles idées, surtout quand Exactement. tu l'as, surtout quand tu l'as raté. Quand tu l'as réussi, à la limite, tu fais des modifications. Quand tu l'as raté, tu fais des gros changements, ce qui est un peu Exactement. normal. Tout à fait. Hein. Là, l'analyse d'Aurel. Alors, on va voir. Comment il voit le match, mon Aurel? Retrouvons notre Aurel. C'est un déplacement à Montpellier qui nous attend ce dimanche. Un match indécis qui pourrait probablement bien se passer, mais avec l'OL, on ne sait jamais. L'entame de match sera une nouvelle fois importante. Les Montpelliérains sont dans un état critique à voir, et si ils se servent de la pression de manière positive ou négative. J'ai repris du plaisir devant cette OL contre Lille en Coupe de France et j'espère que le groupe va continuer à se libérer et à maintenir ce cap. Ce match s'avère capital dans la course au maintien pour les deux équipes. Le classement est très serré en bas et une victoire permettrait à l'OL de passer 12e, sans prendre en compte tout de même les autres matchs du week-end qui vont basculer le classement. En tout cas, c'est prometteur d'avoir battu Marseille et Lille, de voir aussi nos recrues en forme et à la hauteur. Pour le moment, ce côté nouveau et frais permet, excusez-moi, c'est tout petit, hein, j'ai du mal à lire, permet aux petites charrettes de montrer qu'ils peuvent devenir de vrais professionnels. Là, il parle, il a raison, il parle de Ryan Cherki qui s'est mis à faire un match correct, il parle de Cacré qui se met à de jouer à peu près correctement. Voilà, évidemment, les recrues ont poussé les autres à bouger leur cul, en gros. C'est un peu ce qu'il veut dire et je suis totalement d'accord. Je ne vais pas m'enflammer, mais certains joueurs remontent un peu dans mon estime. À poursuivre, je ne m'enflamme pas pour d'autres sans citer de nom. L'option à distancer la zone de relégation est devant nous. L'équipe devrait être au complet. J'espère que Jack O'Brien pourra maintenir sa place sur le terrain et j'ai hâte de voir débuter Saïd Benrahma en rouge et bleu, car ce sont nos couleurs et nos Lyonnais, car ce sont nos couleurs et Lyonnais est notre cœur. La compo que lui il aimerait, il joue dans un 4-3-3, hein, donc c'est un 4-3-3 même s'il a mis Lacazette plus bas. Lopez, Mata, Caleta-Car, Nice, Tagliafico. Il met cette compo parce qu'il estime qu'O'Brien ne va pas jouer, hein, sinon ça serait O'Brien. Hein. Et là c'est plus dur, là il s'est facilité la vie là, en mettant ça. Il veut pas se mouiller entre Mata et Niles, mais moi j'aurais mis quand même Mata malgré tout, c'est joueur fiable. Matic, Mangala, Cacré. Nouama, Lacazette, Orban. Voilà, moi. Ah, et en gros, il changerait, il mettrait O'Brien à la place de Cacré et avec une défense à 5. Ouais, là, nous, la vraie question, c'est est-ce qu'il va jouer avec une défense à 5 ou est-ce qu'il va jouer en 4-3-3? Et je pense que tu vas pas avoir cette compo. Il a mis la compo celle-là, mais moi, je pense que devant, tu auras Lacazette, Nouama, Benrahma à gauche. Ensuite, il mettra Cacré. Mangala, Matic, Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico. Et je pense que Lopez, ouais, ce sera quand même Lopez. Ça sera cette compo, je pense. Il va jouer en 4-3-3. Est-ce que Lyon te fait peur? Non, tu m'as dit tout à Non. l'heure. Qu'est-ce que tu vois comme pronos? Oh. Donnez-moi vos pronos dans le chat, les gars, vos pronos, on est 250, mettez-moi les pouces, abonnez-vous. Allez, mouille-toi, mon ami. T'as le droit de pronostiquer une défaite comme une victoire. C'est, tu sais, moi, des fois, je pronostique des défaites. Hein. Bah...
1-0 à la 83e minute, Bichir Omeljaradić. Le supporter qui parle. C'est le supporter qui parle ou c'est l'analyse de l'analyste? Non, de c'est les deux, parce que c'est un match qui peut avec le public qui sera derrière présent, parce que quoi qu'on en dise, derrière l'environnement, il y a quand même aussi l'envie de supporter son équipe et de la soutenir coûte que coûte. Je pense que ça va être un arbitrage très compliqué de Pierre Gayoust, parce qu'il y a beaucoup de tension sur le terrain. Je pense qu'il va y avoir des sales coups. Je pense que c'est un match qui peut ne pas se finir à 11 et des deux côtés. Parce que face à une équipe qui est en confiance, bah, il y a aussi le but aussi de la faire vriller aussi, hein, et de le sortir de son match. Et oh, ça puis, dépend. Hey, Der Zakarian. Et Michel, ou que ce soit sur le terrain. Oh, ouais, non, et non. Eux sont capables de faire cela. Et puis, Montpellier, sur ces matchs-là, à forte pression, a toujours réussi. Regarde, on était en difficulté avant le match face à l'Olympique de Marseille. On a produit un bon match face à l'Olympique de Marseille. Où il y avait des occasions et on aurait pu gagner ce match face à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est pas l'ogre lyonnais qui me fait peur. Bon, il y a un... tu me demandes s'il y a un mec qui m'inquiète ou qui me fait Nouama. Peur. Oui, c'est Nouama. Oui. Je pense qu'il fait peur à tout le monde. C'est Nouama, c'est Ernest Nouama qui me fait que je crains, parce que c'est celui qui pour moi est à cet âge-là, qui a une progression, une marge de progression énorme. Il est incroyable. Et je comprends pas qu'un mec comme ça ne joue pas autant en sélection. C'est un mec pour moi qui me... Moi, je l'ai pas découvert, mais le match face à Marseille, moi, je ne regardais que lui. Je ne regardais que lui, oui. Ses déplacements, ses appels, l'état d'esprit aussi, tu vois, l'état d'esprit. Alors, Orban est un bon... Oui, Orban est un très, très, très bon... mais tu vois, je pense que dans l'émotionnel, Orban est un joueur encore très déficient, et c'est un mec que tu peux faire sortir de son match et qui peut partir en cacahuète, tu vois. Et puis après, j'ai un immense respect pour Lacazette, que certains n'ont, je pense, pas respecté comme il se doit. Après, pour ce qui est du gardien, là, j'ai un petit désaccord avec toi, c'est que même si je pense qu'il est sur une saison compliquée, tu sais, j'ai discuté avec un ami qui est gardien, qui a joué en Ligue 1, qui est à l'étranger. Et il avait regardé le match face à Marseille. Et moi, j'avais trouvé Lopez plutôt intéressant. Et j'ai été très surpris. Il me dit, Momo, de la première à la dernière minute, que ce soit sur ses dégagements, tout, hein, les arrêts aériens, etc., fébrile. Il me dit, je ne reconnais plus Anthony. Et il le connaît, oui. En plus. Il a peur. Donc, c'est un gardien professionnel qui a joué en Ligue 1, qui est à l'étranger actuellement, il le connaît. Je ne vais pas lui dire, tu me dis de la merde. Hein. Donc, non, bien sûr. Mais en revanche, je trouve, et ça ne va pas me faire des amis dans ton live, je trouve que sur les réseaux, c'est assez violent à son égard. C'est très, très, très violent. Voilà. Et comme je sais qu'il est père de famille, comme tout joueur, peut-être tu veux peut-être papa, il y a la famille. Mais je trouve que ce qu'il prend en pleine gueule, c'est violent. Après, je respecte tous les avis, j'entends, il n'y a aucun souci, on en a discuté en off avant. Moi, tu as donné non, des arguments indispensables, mais je trouve que... Non, mais respecte l'homme, moi. Voilà. Je respecte, et je respecte son passé, hein, à Lyon. Oui, mais par contre, ce n'est pas parce que je respecte son passé... T'es objectif. Tu vois, il est fébrile. Tu l'as dit, toi, il a dit, il a raison, il est fébrile. Il est d'une fébrilité, et je peux le comprendre. Il a un mec à côté de lui à l'entraînement, il est meilleur que lui. On le voit jouer là récemment, tu vois qu'il est bon, il est très très bon. Donc le mec, il a une pression, il joue avec la pression. Il n'a jamais joué avec la pression. La dernière fois que Lopez a joué avec la pression, c'est la saison avec Rudy Garcia, et il nous coûte la saison. Et oui, il a joué avec Tatarusanu au cul, et ça nous a coûté la saison. C'est ses deux seules mauvaises saisons depuis qu'il est à Lyon. Celle-là et celle avec Garcia. Ça a été un gardien, et c'est un gardien extraordinaire, mais il ne supporte pas la pression. Dès qu'on lui a mis un semblant de gardien qui venait pour jouer en concurrence, il ne supporte pas. Il n'a jamais connu ça. En 12 ans à Lyon, ou 13 ans là, il n'a jamais connu la pression. Quand il l'a eu, c'est deux fois des saisons catastrophiques. Si on le laisse,
Depuis qu'il y a Péri, hein, c'est même pas la peine. Hein, c'est la brasse coulée. Hein. C'est la brasse coulée. Hein. Contre le Havre, c'est la brasse coulée. Et il a raison, ton collègue. Je ne sais pas qui il est. Hein. Peut-être tu me le diras en off. Hein. Il a raison. Je l'ai senti d'une fébrilité. Oh, pareil, au pied. Quand il a fait les contrôles et tout avec le ballon, je fais wow, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il fait quoi? Ah oui, oui. Ouais, ouais, il n'est pas à l'aise. Il a la pression. Il n'est pas dedans. Et ça, c'est pas bon hein, pour un gardien. Tu sais comment c'est. Hein. C'est là que tu fais les erreurs. Hein. C'est comme quand tu te mets à douter que tu es un attaquant. Tu te mets à douter de toi. Mais moi, on m'a dit que c'était pire qu'un ultra, hein, qu'il avait le club, que ça lui faisait beaucoup. Moi, c'est un ancien ultra du Virage Nord. Ouais, moi, tu vois, on me l'avait dit. Je ne connaissais pas son histoire. Donc, ça le touche. Donc, quand je vois les tweets, en plus, moi, j'aime pas ce terme-là parce que j'en suis pas un, etc., mais d'influenceur lyonnais. Et encore une fois, Julien, moi, je suis d'accord pour. On est ouvert. On peut échanger là-dessus. Mais je trouve qu'il y a une violence dans les propos. Alors, je ne sais pas si elle est injuste, mais en tous les cas, je pense que tout ça participe au fait, je ne cherche pas d'excuses, hein, mais qu'il y a aussi une fébrilité, etc. Moi je me mets... Il a la pression, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc voilà. Et puis, je pense que c'est un mec qui a... Le club lui a beaucoup donné. Je pense aussi qu'il a donné beaucoup, 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 beaucoup... Moi, il me fait penser à Tolisso, aussi dans cette approche émotionnelle. J'en avais fait un tweet, je crois que c'était après Rennes, c'est des mecs qui ont l'Olympique Lyonnais chevillé au corps et qui souffrent énormément. Bien sûr. Donc voilà. Non, mais c'est un amoureux, c'est un amoureux du club, Lopez. Je ne savais pas que c'était un ancien ultra. Ancien du Virage Nord. Je ne savais pas. Voilà, et moi j'ai tellement aimé Lopez, sa harne, sa grinta. Moi, c'est quelqu'un, si je pouvais l'avoir à côté de moi, faire un selfie avec lui dire merci pour ce qu'il a fait. Voilà, tu vois, j'ai tellement adoré le joueur. Je vais te poser une question. Oui. Et si le problème n'était pas l'entraîneur des gardiens? Mais il était bon l'année dernière, Lopez. Il était très, très bon. Et c'était Vercourt. On a eu un problème avec Christophe Revel. Et là, je te suis sur ça. On a eu un problème avec Christophe Revel où Lopez, cette fameuse saison avec Tatarusanu, fait une saison catastrophique. Oui, catastrophique, oui. Mais c'est, l'année dernière, Lopez, il nous sauve la saison avec la casette. Donc, je sais que c'est pas ça le problème. Parce que Vercourt, je ne suis pas un fan de Rémy. Même si on m'en a dit le plus grand bien, je suis pas un fan, j'étais pas fan du joueur du tout. Et je suis pas un fan, mais en revanche, s'il avait fait une mauvaise saison l'année dernière, je l'aurais dit pareil que toi. Moi, j'ai adoré Lopez sous Coupé. Je sais pas ce qui s'est passé avec Coupé. Coupé, c'est une grande gueule, hein, je l'ai vu en émission. C'est une très grande gueule que j'aime beaucoup. Et j'aurais aimé que Coupé reste. Bon, ça a été pris par Vercourt derrière, mais moi, j'aurais voulu voir Lopez encore avec Coupé. Peut-être que lui, il aurait suggéré cette pression. C'est pas le cas. Et moi, ce que je voudrais, c'est que Lopez, en fait, il redevienne bon. C'est tout. Je veux juste que Lopez, il soit bon. Moi, c'est une sorte de masterclass contre Montpellier. Mais tu sais quoi, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que voilà, il est pas bien en ce moment. Et j'ai pas envie que ça nous coûte des points. Tu sais, Lyon, là, en ce moment, on cherche nos points. Hein, un peu comme toi, hein, tu connais. Hein. Donc, je peux pas me permettre, tu vois. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? J'imagine même pas s'il avait pris le but d'Harit à la 30e seconde. Mais il est trop avancé. Et en plus, il lève la main, mais en fait, je sais même pas, franchement, si je pense que si elle rentre, en fait, je sais pas. Ah ouais, bah là, ça aurait été, là, il aurait, là, franchement, il était mort. Ah, il était sportivement parlant, il était au fond du trou, c'est pas possible. Je pense vu comme que ça dans les 10 premières secondes, oui. Là, il était mort. Voilà, et je pense que le pire, c'est s'il avait rentré le ballon dans son propre but sur le contrôle un peu limite de sa part. Là, je pense que celle-là, ça l'achevait totalement. Les gars, dans le chat, mettez-moi les pouces, abonnez-vous. Mohamed Toubachter, j'ai du mal à le dire, je suis malade. Mohamed Toubachter, supporter Montpellier, hein. Mais pas que, je sens que vous allez en entendre parler, il va se retrouver dans le monde du foot. On peut dire ton passé ou pas du tout? Bon, moi j'étais dans le domaine politique et puis après j'ai eu une mauvaise expérience avec le club d'Angers, parce que ça se passe très très bien, je suis toujours en lien constant avec le président d'Angers et les joueurs, etc. Mais j'ai eu de très très mauvaises relations avec
et Gérald Baticle. C'est pas vrai. Oui, qui est pour moi une, humainement parlant, un type exécrable. Ah ouais. Pourtant, il avait l'air Exécrable. gentil comme tout. Ah bah oui, mais il faut toujours se méfier des gens qui sont trop gentils. Mais t'inquiète pas, avec moi, je lui ai toujours dit, force est constater que j'ai raison. Un an plus tard, d'ailleurs, ça a fait rire beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup de messages, trouvant que c'est hallucinant qu'il se retrouve l'équipe de France Espoir. Je lui ai dit lors d'un entretien, je lui ai dit, parce que c'est quelqu'un qui est très parano et qui doute beaucoup de lui, je lui ai dit, vous n'avez pas l'âme d'un entraîneur numéro un et que votre rôle, c'est d'être un numéro 2. Et il a été un très, très, très bon adjoint à l'Olympique Lyonnais. Je trouve que c'est son meilleur rôle. Et il m'avait répondu, sincèrement, tu as peut-être raison. Mais force est de constater que j'ai raison. Mais Bah, humainement tu dois parlant, j'ai avoir. jamais. J'ai, tu sais, j'ai eu des amis, j'ai des connaissances. Il y a des coachs avec qui j'ai eu des échanges houleux, mais qui humainement sont des gens extraordinaires, avec qui j'échange régulièrement et on fait des bouffes, etc. Mais je maintiens ce que je dis et ça peut déplaire. Et moi, je fais pas une généralité, c'est Baticle, c'est pas l'Olympique Lyonnais. Parce que regarde, Rémi Garde, avec qui est très proche Baticle, Rémi Garde est une personne adorable. Mais oui, Gérald Baticle est humainement parlant quelqu'un de très, très mauvais. Ça s'appelle une balle dans la nuque. C'est Non, offert mais je par suis nous, sincère, la. hein. Non, mais Franchement, t'as raison, attends, moi t'as je me méfie, totalement tu raison. sais, je suis très très sincère, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout apprécié par bon nombre de gens, et je peux te dire que dans le groupe Angevin, ils ne pouvaient plus le voir. Donc l'erreur, ça a été de le virer un peu beaucoup trop tard. Et c'est quand même lui qui a fait descendre le SCO, quoi qu'on en dise. Mais enfin voilà, D'accord. c'est. C'était un petit aparté, je te remercie de cette info. Messieurs, dames, on me met les pouces et on s'abonne, c'est important pour la chaîne. Mon Mohamed, on va terminer cette émission. Je te remercie d'être venu. J'espère que je Avec t'aurai en plaisir. émission Ligue 1 aussi. J'ai envie de t'avoir en émission Ligue 1, Avec mon plaisir. Mohamed. Plaisir Eh bien, partagé. écoute, je te remercie. Je te souhaite un bon match dimanche. Bah, bon match. Moi, je rentre sur Montpellier le dimanche. J'y serai. J'espère que tout se passera bien dans les tribunes. Bah oui, moi j'espère aussi. J'espère. Et puis voilà, quoi. Je persiste. Je suis pas là pour me justifier. Je n'ai rien contre l'Olympique Lyonnais. Rien du tout contre T'inquiète. l'Olympique Lyonnais. C'est un club que j'apprécie. Bah, ça fait 2 fois que tu viens sur ma chaîne. Bah, oui, bah, non, mais parce que tu vois, là, sur le truc sur Matic, moi j'ai toujours dit, il y a un mec qui s'appelle Tom Ford sur Twitter, en Mais je off, connais Tom. etc., je Je lui ai connais très très toujours bien. dit, et quand tu relis mes tweets, j'avais raison. Elle dit que ça allait céder, etc. Sauf que voilà. Donc je ne suis pas payé par la famille Pinault, qu'on sache ce que j'ai vu des choses. Puis j'ai une grande admiration pour la famille Pinault. Et puis l'Olympique Lyonnais, sur le deal, a récupéré un joueur extraordinaire. Parce que je Oui. trouve, franchement, on n'en a pas parlé dans ton live, là, on n'a pas eu le temps. Mais il va falloir quand même parler de Maxence Cacré. Hein. Il y est pour quelque chose, le Matic. Hein. C'est quand même fou qu'un joueur puisse transformer. Je suis peut-être excessif, un joueur comme ça, ou le mettre à l'aise sur cette partie de terrain. Qui était Et c'est nul juste avant. qui était pas bon du tout, voilà, exactement, tout à fait. Mais comme Enzo le fait, qui était pas très très bien au début, l'adaptation avec le club, Matic l'a mis sur le devant de la salle, et puis ça marche. Et puis je trouve Il est que d'une élégance et d'une classe sur le terrain, Matic. oui, Qu'est-ce que tu veux? Moi, il m'a bluffé hein, au premier match. et je trouve que c'est positif, et voilà. Et puis grosse merde à vous pour cette Coupe de France, parce que j'ai vu que mon tweet où j'avais souhaité que le Stade Rennais gagne la Coupe de France, c'est là où on m'a dit que j'avais été payé par la famille Pinault. Donc je suis une finale Rennes-Lyon, ce sera une très très belle finale. Ouais, et j'espère qu'on va les taper parce que je l'ai en travers de la gorge. Il y a des comportements qui sont durs à encaisser et j'espère Lesquels? qu'on va les taper. Mais parce que moi, je trouve que les supporters rennais sont très très prétentieux. Et pourtant, j'ai des copains hein, rennais. Hein. J'ai mon Thomas, Thomas parle foot que j'embrasse, gros youtubeur. J'ai mon Léo tout donné et tout. Mais je trouve qu'ils prennent en couille les rennais. Fait quelques années, t'as l'impression qu'il y a des couilles qui sont tombées là un peu là. Tu sais, paf, ils en avaient pas, tu vois. C'était un petit club comme ça Julien, là, à trois balles là. Et entre là, ils ont nous, les couilles, elles sont tombées. Hein, je te le dis. Hein. Julien, entre nous, quand vous étiez super puissant en Ligue 1, il n'y avait pas un peu de condescendance chez les Lyonnais, franchement, entre nous. Ouais, alors quand t'es super puissant que t'es le PSG, tu peux te permettre d'avoir des C'est couilles. vrai. Enfin bon, quand t'es Rennes, reste à ta place, reste à ta place. C'est surtout le manque de respect pour les autres.
si tu veux. Moi, à la limite, s'ils veulent se prendre pour les plus forts, il n'y a pas de problème. Mais manque pas de respect aux anciens clubs comme ça, historiques, c'est pas bien. Et je trouve que c'est incroyable depuis quelques temps. Et Montpellier, ils ne le font pas. Nice, ils ne le font pas. Et Nice, pourtant, Nice, ça pourrait. Hein. Y a plein de clubs qui sont au niveau, je trouve, depuis quelques temps. Et ça manque pas de prétention. Je trouve que les Rennais, depuis quelques temps, ça prend un peu le melon. Mais bon, c'est mon avis. C'est mon Quel avis. Est ton prono que tu ne l'as pas donné? Oui, j'ai pas donné mon prono. 2-1 pour Lyon. D'accord. Mais je pense qu'on va l'avoir plus dur que ce que je pensais. Dans tous les cas... On s'écrira un message, on s'écrira. Bah voilà, on s'écrira. En tous les cas, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. Faites attention merci. À vous. Et puis, vive le foot. Hein. Eh ben merci à toi, mon Mohamed. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dirait Aaron, allez la crémate, c'est le club de mon fils, il joue demain. Ciao les Gones, ciao les Fenotes, ciao les Montpellierains, ciao à tous, je vous embrasse et surtout, allez l'OL. Ciao, ciao. Ciao.